jour les amis, aujourd'hui vidéo sur un bateau. Donc vous m'aviez demandé plus de bateaux sur mes vidéos, donc on va faire plus de vidéos. Aujourd'hui on a le Super Mono X en présentation. Pourquoi le Super Mono X aujourd'hui? C'est parce que pour moi c'est un petit budget et je trouve ça important de parler des petits budgets aussi. C'est pas toujours le... On va pas toujours parler sur des gros budgets. Le but c'est de se faire plaisir dans le modéliste. Donc il n'y a pas forcément de prix à avoir. Donc là on est sur un produit à moins de 200 €. Il est livré. Vous, bateau, radio commande. MAG3S, la radio traditionnelle qu'on a très souvent chez nous. Le chargeur avec un ligne stabilisé courant et sur 12 volts. Donc sur la batterie de voiture. Et on a la batterie qui est fournie avec en 3S en 2200 mAh. Donc une belle autonomie assez correcte pour ce genre de modèle là. Dessus, on a donc le bateau, le mer pour le pouvoir le poser comme il faut. On a des systèmes de des flaps et des windlamps pour la stabilité du bateau. Gouvernail en aluminium, de façon que si on tape sur des petits bouts de rocher ou autre, on ne le casse pas. Pour que ça puisse fonctionner dans comme il faut, tout simplement. Dedans, on a un contrôleur refroidissement liquide, waterproof. On a récepteur pour la MAG3S pour pouvoir contrôler, un micro-cerveau pour pouvoir tourner à droite et à gauche, tout simplement. Et on a un moteur cage tournante pour la transmission. Brochette, donc on aura une belle performance. C'est un bateau qui donnait à plus de 45 km/h, donc une grosse performance. C'est un modèle qui marche plutôt bien. Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller tout de suite sur les temps et de voir les performances de ce modèle-là. À l'envers. Il est pas mal, hein.
Alors nous voilà, après cette petite session qu'on a pu naviguer, on a pu voir qu'il marchait plutôt très bien comme bateau. Ce qui est génial avec celui-ci, c'est que on a le système de retournement automatique. Donc une fois qu'il se retourne, on met un petit coup de gaz, choup, il va se retourner forcément parce qu'il n'y a pas les appuis de couple. Comme il a un gros couple, il se retourne automatiquement tout seul de lui-même. Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'eau. Le retournement se fait automatiquement. Il fait 420 mm de long. Il fait 112 mm de large. Et il fait 420 grammes en poids en ordre de marche. Coque en ABS. Nous, par rapport à ce qu'on a vu, on a pu voir que ça fonctionnait super bien. Super stable. Très fun au niveau de tuation parce que même s'il se retourne, il n'y a pas d'inquiétude. Il se remet tout de suite sur ses pattes. Je sais pas ce que t'en penses, Mathis. Il marchait plutôt très bien. Il marche trop bien. Trop bien. Ouais. Donc, vraiment, au niveau performance, on a un bon 45 km/h. Moi, je pense qu'on dépasse largement les 45. On est un bon 50 km/h en vitesse de pointe. On n'avait pas utilisé de système GPS ou autre pour voir la vitesse réelle. Mais vraiment, la sensation de vitesse, elle est vraiment sympa. Vraiment agréable au pilotage. Pensez à ne pas avoir un débattement trop important au niveau direction parce que déjà que nous on est à 50% de débattement, il tourne vraiment très violemment. Donc ne mettez pas trop de débattement, ça ne sert à rien. Pensez à toujours dans vos commentaires, si vous avez des modèles identiques, mettez. Si vous avez des soucis, mettez aussi sur les commentaires, il n'y a pas de soucis. On répondra aux questions et aux problèmes. Si vous voulez voir d'autres modèles, voiture, bateau, avion, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt, likez la vidéo et pensez à vous abonner.